Bon, là, il est 11h du matin. Je pars en exploration pour découvrir de nouveaux endroits en forêt. Et je voulais prendre un moment aussi pour vous parler d'une sortie photo que j'avais faite il y a quelques mois en arrière. Une sortie au Bouquetin. Vous aviez été nombreux à réagir à ces images que j'avais réalisées. Et du coup, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire de cette sortie au Bouquetin. Mais avant d'aller plus loin, deux choses. Quand je suis en forêt, j'ai beaucoup de mal à parler normalement. J'ai toujours le besoin de chuchoter, je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas à faire autrement, donc je vais pas parler très fort durant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à monter un peu le son de votre appareil. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le comble d'un photographe animalier, c'est d'être allergique au pollen. Et c'est mon cas, donc je suis vraiment désolé si je renifle un petit peu durant l'enregistrement de cette vidéo. Bon là, l'idée c'est que je trouve un petit coin à l'ombre pour me poser et puis pour pouvoir vous parler de tout ça. Parce que déjà d'une part, j'ai 2 kilos en bout de bras et ça commence à peser. Et deuxièmement, parce qu'il fait très chaud, déjà 11h du matin, fin juin. Voilà, on avait été épargné jusqu'à présent, mais je vais passer par là. On avait été épargné jusqu'à présent, mais finalement, la chaleur a fini par arriver ici aussi, sur les hauts plateaux du Vercors. Là, ça fait environ un mois que je suis de retour dans ma région, dans le Vercors. Et ça fait un bien fou d'être ici. Vous savez quoi, c'est toujours aussi beau. J'ai le sentiment qu'ici, c'est peut-être pas mal pour que je me pose. Je suis à l'ombre. On va faire ça. Donc pour reprendre depuis le début, cette sortie au Bouquetin, je l'ai faite en novembre 2019, sur 2 jours. J'avais prévu de partir sur 2 jours de terrain avec une nuit en bivouac. Je me souviens avoir bien pris le temps de regarder les conditions météo et tout était ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette image, je l'avais en tête du Bouquetin sur un fond de lune. Donc sur ces 2 jours-là, la météo était ok. Il n'y avait pas un nuage normalement. Et qui plus est, la pleine lune était censée être au rendez-vous. Donc je commence gentiment ma randonnée. J'ai plus ou moins 2h15, 2h30 de marche pour atteindre l'endroit que j'ai en tête à ce moment-là. Ça y est, c'est parti, nous sommes vendredi 15h, je pars sur les hauts plateaux du Vercors sur les crêtes et j'ai plus ou moins 2h, 2h15 de marche pour y arriver. Arrivé là-haut, je plante la tente et ensuite j'essaye de trouver les bouquetins, essayer de faire un petit peu de photos. En plus ce soir, il y aura une super belle lune je crois, le ciel est dégagé, donc ça peut être super intéressant d'essayer de composer l'image avec tout ça. La première heure se passe bien, il n'y a aucun souci. Mais je me souviens que sur la deuxième partie de la randonnée, qui est en fait la partie la plus difficile, j'ai vraiment, vraiment eu du mal à me rendre jusqu'en haut. Ok, donc là, ça fait plus ou moins 1 heure que je marche. Et ma destination, là, putain, ici. Voilà, je préfère pas y penser. Et là, il reste un bout de chemin. On continue. Pourtant c'est une randonnée que j'avais déjà fait plusieurs fois sans avoir eu ce problème là entre guillemets, mais ce jour là ça voulait pas, j'avais vraiment pas de jus, pas d'énergie, donc ça a été très compliqué d'arriver en haut. Vous savez quand on marche en montagne, il y a 2 jours on se sent vraiment, frais quoi, un peu comme un petit chamois. Bah là je suis dans l'autre jour, je suis plutôt dans les jours de la limace ou de la moule, l'un ou l'autre. Ouais, j'ai pas de jus aujourd'hui, c'est pas évident. Sur la dernière demi-heure de la randonnée, je me souviens apercevoir 3 étagnes, donc 3 femelles bouquetins qui passent devant moi. Donc je suis plutôt content à ce moment-là parce que je pourrais très bien arriver en haut et avoir fait tout ça pour rien. Si les bouquetins sont pas là, la photo que j'ai en tête n'existera pas. Cette dernière partie avant d'arriver aux crêtes est un petit peu dangereuse, donc il faut quand même faire attention où on met les pieds parce que c'est vraiment raide, il faut pas glisser, sinon il y a bien moyen d'arriver en bas plus vite que prévu. C'est un peu raide, j'ai déjà aperçu 3 étagnes, maintenant il faut juste que je trouve un bout de plat parce que là pour pouvoir planter la tente.
Allez, je continue. Je finis tant bien que mal par arriver en haut. Et très bonne surprise, une vingtaine de bouquetins, des mâles pour la plupart, sont présents là où je voulais planter la tente. Donc c'est vraiment un coup de chance parce que j'ai pas du tout eu besoin de les chercher. Ils étaient là à mon arrivée. On est au mois de novembre, donc la lumière descend vite. On est déjà bien entamé dans l'après-midi. Donc je vais mettre très rapidement mon campement en place. Je vais monter ma tente pour pouvoir ensuite, le reste de la soirée, pouvoir me consacrer à la photographie. Et je suis arrivé au sommet, il y a un petit peu de vent. La nuit va être fraîche. Je viens de monter la tente. Et regardez qui est dans ma compagnie. J'ai plusieurs bouquetins mâles qui sont avec moi. Ça promet de jolies photos ce soir. La lumière est en train de changer, là elle est encore un petit peu rude. C'est vraiment un moment particulier pour moi parce que je suis à 2000 mètres d'altitude avec une vingtaine de bouquetins très sereins. Il y a vraiment une ambiance paisible qui se dégage de cette atmosphère, de ce tout en fait. Et j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place ce soir-là. Les bouquetins ne sont pas du tout dérangés par ma présence. Donc je vais vraiment pouvoir me consacrer sur la composition de mes images sans avoir trop de questions à me poser. Les dernières lueurs du jour arrivent assez vite, mais c'est aussi les plus belles lumières. Donc je profite vraiment de cet instant pour réaliser des clichés que j'avais jamais pu faire jusqu'à présent. Je pense notamment à cette photo du bouquetin qui lui est éclairé par les derniers rayons de soleil et les rochers qui sont derrière lui sont dans l'ombre. J'ai volontairement sous-exposé à la prise de vue mon image pour que le fond apparaisse le plus sombre possible. Et en post-production sur ordinateur, j'ai terminé d'emmener mon image là où je voulais. C'est-à-dire que j'ai bouché encore un peu plus les ombres et débouché la lumière sur le bouquetin pour vraiment avoir ce contraste. Tout va très vite ce soir-là. Tout est beau en fait. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé photographier. Mais voilà, on ne peut pas être partout. Je me souviens aussi de cette image que j'ai réalisée d'un bouquetin mâle tout seul face au soleil couchant. On est vraiment sur les dernières minutes du soleil. Et il est là à regarder le coucher de soleil et le vide qui est devant lui, un petit peu comme un gardien des sommets. C'était vraiment aussi un beau moment pour moi de pouvoir capturer cet instant-là. On est en début de soirée et à ce moment-là, je me dis que je suis déjà très content des images que j'ai pu réaliser. Donc je décide de prendre un moment pour moi, de laisser l'appareil photo de côté. J'essaye vraiment d'être conscient du moment que je suis en train de vivre avec ces animaux dans cette ambiance incroyable. Finalement vient la nuit, je suis un peu déçu parce que je ne vois pas du tout la lune apparaître dans le ciel. Et je dois avouer que le cycle de la lune, je n'y comprends pas grand chose. J'ai le sentiment que parfois elle peut apparaître à une certaine heure et le lendemain à une heure tout à fait différente. Voilà, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. Donc il est 20h, il fait nuit noire, hein, on est au mois de novembre, je commence à avoir froid. Donc je me dis que je vais rentrer dans ma tente. Donc je commence à enlever mes chaussures pour rentrer dans la tente. Et je donne un dernier coup d'œil sur les crêtes. Et je vois une lueur blanche, un soupçon de lueur blanche apparaître derrière les crêtes. Et donc là, je tilte et je me dis, ok, bah c'est le moment. Je remets mes chaussures, je prends mon appareil. À savoir qu'à la nuit tombée, les bouquetins étaient remontés un petit peu sur les crêtes, pile poil là où la lune a l'air de vouloir sortir. Donc je réfléchis pas du tout, je prends l'appareil et je sors. Je sais pas si vous avez déjà observé la lune sortir de l'horizon, mais ça se passe en quelques minutes seulement. Là, dans ce laps de temps très court, il faut que je trouve les bouquetins dans la nuit noire. Il faut que j'arrive à trouver un point de vue pour avoir un bouquetin et la lune derrière avant qu'elle ne soit trop haute, qu'elle soit passée au-dessus des crêtes. Donc vraiment, c'est pas gagné d'avance. Et vraiment, à ce moment-là, je me dis que c'est foutu parce que je n'arrive pas à trouver les bouquetins que j'ai vus quelques minutes plus tôt. Je me dis qu'ils sont partis plus loin, je ne sais pas. Mais il fait trop nuit, j'arrive pas du tout à les identifier. Et c'est uniquement au moment où la lune était déjà sortie que j'ai réussi à détacher un bouquetin de l'obscurité en trouvant un point de vue qui correspondait parfaitement avec l'axe de la lune et l'emplacement du bouquetin. Et donc là, je réfléchis pas, je prends mon boîtier, je prends mon appareil et je réalise une série de photos sans même faire le moindre réglage. Les photos sont forcément pas exceptionnelles. À ce moment-là, j'utilise un 300 mm 2.8
Du coup, le bouquetin est bien net, effectivement, mais la lune est trop floue derrière. Et c'est pas l'image que j'avais en tête. Donc je prends quand même le temps d'effectuer mes réglages. Donc je ferme un petit peu mon diaphragme à f7 ou à f8, je ne sais plus, pour avoir plus de profondeur de champ, pour avoir mon bouquetin dans la zone de netteté, la lune un petit peu moins floue, pour avoir une image un peu plus homogène. Je me souviens rejoindre mon campement comme un gamin un soir Noël, en ayant vraiment le sentiment d'avoir eu un cadeau de la nature. C'est vraiment le genre d'image que je rêvais de faire depuis bien longtemps. Donc forcément, quand on arrive à réaliser ce qu'on souhaite, on a un certain sentiment de satisfaction. Bon, il est un peu plus de 21h là, et je viens de rentrer dans mon palace. Comment s'est passée la soirée pour moi? Bah, du coup, la nuit a fini par tomber. C'est des choses qui arrivent parfois. Et puis la lune a fini par sortir, et j'ai réussi à... Je suis comme un dingue en fait, j'ai réussi à faire des images que je voulais faire depuis longtemps. Bah, je vous montre en fait. J'ai fait ça. Mise au point, s'il vous plaît. Là. Je suis beaucoup trop content. J'ai aussi fait plein d'images avec le coucher de soleil et tout. Donc voilà, une bonne soirée. Mais maintenant, dodo. Forcément, j'ai dormi comme un bébé, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Et je me lève à l'aube, parce que je me dis, si la lumière du matin est intéressante et que les bouquetins sont encore là, autant en profiter. Et c'est le cas, les bouquetins n'avaient pas bougé. La lumière du matin était d'une douceur incroyable, un rose un peu pâle. Et je compose donc cette image d'un bouquetin couché en bord de falaise, face à lui, la somptueuse chaîne de montagnes du Vercors. Là, ce matin, je me sens là où je dois être. C'est la dernière photo que je réaliserai lors de cette aventure. Ça y est, fin de bivouac. Écoutez, je suis vraiment content de ces un petit peu moins de 24 heures sur le terrain. J'ai vraiment pu faire de belles observations au coucher de soleil, avec la pleine lune. J'ai réussi à ramener de belles images, donc ça, je suis content. C'est pas tout le temps le cas, donc c'est bien de le noter. Et puis ouais, d'être là dans ce contexte, vraiment seul au monde ici avec les bouquetins. Pendant tout ce temps, bah, ça prend une drôle de dimension et ça fait du bien, quoi. C'est même un peu difficile de redescendre, mais voilà, ça fait partie du jeu et c'est pour ça qu'on apprécie revenir. Allez, à bientôt! J'espère que ce format vous aura plu, que cette vidéo aura été intéressante. Je pense que parfois c'est intéressant de connaître les coulisses de certaines images. En tout cas, je sais que moi c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous partager ce moment-là avec vous, vraiment comme ça vient. C'est intéressant pour moi aussi parce que c'est le genre de vidéo qui me demande assez peu d'organisation, c'est assez spontané. Donc j'attends vos retours avec impatience, savoir si c'est un format que je peux vous reproposer à l'avenir. J'aimerais aussi que vous me racontiez dans les commentaires une sortie photo ou une rencontre avec un animal qui vous a profondément marqué. Comme pour moi, ce soir-là avec le bouquetin, c'est certainement un moment que je n'oublierai jamais. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous le dis souvent, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en description. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Bye.